On était pas présent dans le combat et du coup au-delà du basket c'était vraiment de l'envie voilà, je trouve que l'identité qu'on a montrée là-bas c'est pas la nôtre, surtout après une prolongation contre Nanterre où ils marquent 2 points, donc faut qu'on arrive à se bâtir une identité défensive. La première, la plus importante je pense, c'est qu'il faut qu'on soit beaucoup plus dur. Il faut qu'on soit sur le duel, il faut qu'on soit plus dans l'engagement, il faut qu'on soit plus dans le combat physique, il faut qu'on soit plus dans l'envie. J'aime ce qu'on montre à domicile et j'aime beaucoup moins ce qu'on montre à l'extérieur. J'en profite pas là pour le dire, hein, je l'aurais déjà dit beaucoup de fois. Et voilà, ce visage qu'on montre chez nous avec beaucoup d'agressivité, il va falloir à un moment donné qu'on le montre aussi à l'extérieur, parce que si on veut prendre quelques matchs à l'extérieur, et il faudra dans une saison prendre quelques matchs à l'extérieur, c'est dans la dureté qu'il faudra aller chercher. Donc dans les duels, être beaucoup plus dur, être beaucoup plus méchant, être beaucoup plus efficace tout simplement. Je sais pas si c'est collectif ou individuel, mais je pense que chacun individuellement, on doit se remettre en question et après collectivement faire le boulot, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, quoi. C'est facile d'être chez toi, devant ta famille, devant ton public, dans ta salle où tu t'entraînes tout le temps, de te laisser transcender par ton public, oui. À l'extérieur, oui. L'atmosphère est un peu plus hostile, mais il faut savoir aller chercher de l'énergie pour, même si tu es à l'extérieur, être dans le game plan, être dans ce qu'on a préparé. Mais tu as beau préparer ce que tu veux, il faut, je le répète, de la dureté. Si t'es pas dur, si t'es pas dans le duel et que tactiquement tu es bon, ça sert à rien. La priorité, c'est gagner des duels. Voilà, sur le dernier match, je l'ai répété en conférence de presse, certes, on a gagné 0 duel. Donc tu gagnes 0 duel, t'as aucune chance de gagner le match. C'est frustrant parce que justement à l'entraînement, on met une bonne intensité et qu'on n'arrive pas à retranscrire en match pour le moment. Donc on va travailler dessus. Je pense que les coachs se penchent sur la question. Voilà, comment trouver des solutions. Maintenant, communiquer, être tous ensemble et après, collectivement, ça va le faire. Bah, l'équipe de Dijon, elle a été modifiée. Le magicien qu'ils avaient l'année dernière, c'est-à-dire Holston, il est toujours là. Hein, et à chaque fois qu'ils sont en difficulté, je pense notamment sur leur dernier match contre Châlons en Champagne, ils étaient vraiment en difficulté, il a pris le match à son compte. Pas seulement, mais il peut faire la différence. Donc déjà, c'est un duel, j'espère qu'on va le contrôler à peu près. Et après, c'est une équipe qui continue à bien défendre. C'est une équipe qui est à domicile, voilà, elle a montré des bonnes choses. Une histoire de duel. C'est une équipe qui se cherche aussi, qui a une petite modification. Il y a un nouveau joueur qui arrive, qui est un peu l'inconnu de cette équipe. Mais ça va être aussi une histoire de duel. Si on perd plus de la moitié de nos duels, on va être en difficulté. Je suis curieux de savoir comment on va commencer notre match à Dijon. Si on le commence comme on l'a commencé à Rouen, ça va copieusement m'énerver. Mais j'espère que les messages passent et j'espère qu'il y aura une réaction. Donc à Dijon, il faudra défendre. Je parle pas de résultats pour l'instant, je parle d'attitude et d'investissement. Bah, ça tombe bien parce que Dijon est une équipe qui a une forte identité défensive. Donc c'est clair que si on va là-bas en voulant jouer un match d'attaque, on va perdre. Non, je pense qu'il faut qu'on aille là-bas pour faire un match défensif avant tout. Et après ça viendra parce que surtout quand tu fais des stops en défense, ça te donne de l'énergie pour l'attaque, tu vois, des contre-attaques, boum, ça te met dedans, ça met de l'énergie dans l'équipe. Donc ouais, je pense qu'il faut qu'on aille là-bas avec une vraie envie de défendre dur et fort. Ok, let's go. Allez, on y va. Tomorrow is 12, right? Yes. Yeah. Will be. Awesome. Yeah.